Salut, c'est Xavier Dragators pour le 10e épisode de Galacticraft. Alors, aujourd'hui, c'est le lancement vers l'espace. Le lancement de la fusée. Et c'est déjà prêt. Tout est prêt. J'ai déjà chargé la fusée, crafté la fusée. Pour la fusée, j'ai montré le craft vite fait. C'est comme ça qu'il écrit. Le craft, c'est comme ça, c'est vite fait. C'est quand même long à faire, là, mais... C'est tout le temps les mêmes plaques qu'il faut faire. C'est juste plein de plaquage lourd. C'est juste ça. J'ai utilisé celle-là, avec les trois coffres, pour avoir plus d'espace de stockage dedans. Alors, si on rentre... c'est F pour l'inventaire, je m'en avais plus. J'ai rempli la moitié de l'inventaire de trucs, j'ai plein de feuilles, j'ai un peu de blocs de construction, des torches de glowstone, une stargate pour revenir après. J'ai mis une canette de vide, si jamais il y a quelque chose qui plante puis je puisse pas faire la stargate pour commencer le fuel. Puis toutes les machines de Galacticraft. Puis si quand j'aurai besoin d'autres choses, je vais aller les chercher. Alors. Fait que tout ça est prêt, j'ai tout. Je vais pas mettre le drapeau, il est bien ici. C'est drôle, il y a une fleur qui a poussé sur le drapeau. Bon, je vérifie encore une dernière fois que j'ai rien oublié, parce que ça serait quand même plate de devoir descendre tout de suite. Ah oui, j'ai oublié quelque chose de super important. J'aurais eu l'air con si j'aurais oublié ça. J'ai oublié de prendre ce qu'il faut pour faire la station. Alors, c'est un craft quand même... c'est pas un craft si compliqué que ça, là. C'est juste... je pense que le plus compliqué, c'est le répéteur. Mais on a tout ce qu'il faut, fait que c'est facile. Alors... ça va ici... Ça ici... Ça ici... Ça ici... Bon, je suis pas sûr exactement de ce qu'il faut, fait que je vais peut-être aller vérifier en créative avant. Je sais que ça prend au moins... je sais pas si je vais avoir assez de fer. Ça prend pas mal de tin, ça je suis sûr. Puis de l'aluminium puis du fer. Puis un circuit avancé comme ça, là-dedans ça doit faire. Je vais juste aller vérifier en créative ce qu'il prend pour faire la station, puis je reviens après. Bon, je vais aller vérifier ce qu'il faut. Je suis pas mal sûr d'avoir ce qu'il faut, fait qu'il me faut 32 de tin, je vais en prendre 64 parce que... justement parce que bon, j'en prends juste 32 pour pas prendre de la place dans mon inventaire. Ça prend 24 de fer, puis le reste je suis pas sûr de l'avoir. C'est l'aluminium, moi je l'ai vraiment pas, fait que ça m'en prend 16. Je devrais en avoir assez, fait qu'il faut que je scrive ça. Le truc important que j'ai oublié de prendre en note, je vais dormir. J'ai oublié de prendre en note l'adresse de la Stargate qu'il y a sur Terre. C'est un truc important que je ne voulais pas que j'oublie. Parce que si je sais pas c'est quoi l'adresse de la Stargate, je peux pas vraiment revenir. Donc, je vais l'écrire. Ah oui, c'était le nom qui ressemble à l'unité là, c'est vrai. C'est écrit. Bon. Alors, je me rappelle un truc aussi, il faut que j'amène du Naquada. Ça prend beaucoup de choses hein, dans l'espace. Hein. Faut pas oublier des trucs parce que sinon ça va être difficile de revenir après. Alors j'attends que ça se transforme ça. Allez, transforme-toi. Allez, tu peux le mettre. C'est parfait. Bon, je vérifie encore une fois, j'ai rien oublié. Non, j'ai rien oublié. Parfait. J'ai assez de bouffe, j'ai assez d'oxygène. Allez, bon, c'est le temps de décoller. Je vais mettre quelques petits trucs encore dans le...
Ça, faut que je le garde sur moi. Même pour être sûr, je vais le mettre dans ma barre d'inventaire ici. J'espère que ça va être correct. Je vérifie tout. Je vérifie une dernière fois, je vais l'oublier parce que revenir, ça va être un peu long aussi. Ok, je décolle. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, décollage. Et c'est parti pour l'espace. Je vais tirer dans ma main, ça va être plus beau. On voit la Terre en dessous. Le genre de gros carré va genre disparaître bientôt. Et voilà. Et voilà. Maintenant, avec ce fusil-là, je peux juste aller sur la Lune ou faire une station. Alors, c'est le moment où est-ce qu'on va créer la station là. Allez, il n'y a plus de son, c'est bon signe. Et on crée la station. On va la renommer plus tard parce que j'ai pas encore trouvé de nom pour la station. Alors on y va. Et c'est parfait, on y est. Le coffre est arrivé. J'aimerais ça enlever la minimap, j'aurais plus c'est quoi la touche. Parce que là on va pas très bien. Ces blocs là ils m'énervent. Moi je les enlève tout le temps. C'est-tu enlevable au moins? Sinon je vais essayer d'enlever plus tard. Alors, je prends l'essence qui reste. J'en ai quand même pas mal. Je replace la fusée. J'essaie quand même de la centrer. Et voilà, la fusée est replacée. Alors là, j'ai dit que le premier truc que j'allais faire, j'allais placer la Stargate. Voilà, la gravité. Bon, fait que, on va y aller comme ça. Alors, où est-ce que je vais la placer? Je suis pas tout à fait sûr. Pour moi, j'ai un jetpack, je peux voler sans trop de problème. Alors, comment je veux que ça se présente, cette station spatiale là? Ah, j'ai plus de charge mon jetpack avant de partir. Ça, c'est un peu moins bien. Mais je vais être capable de survivre pareil. Bon, on va la faire ici, là. On va la déplacer plus tard. J'enlève ces vitres là aussi parce que ça va pas aider pour pressuriser la base. Je pense que j'ai oublié de mettre en dessous. Je vais faire ce carré beau. Alors c'est parfait. Oh, je sais pas si je vais en avoir assez. Je vais commencer par faire le sol, ça je suis sûr d'en avoir assez. Ah, ça devrait être correct quand même. Allez, oui, ça va consommer la masse d'étain. J'ai pris, pense que j'ai pris un demi-stack d'étain pour faire juste ce stack de blocs là. Allez, place-toi. Je place tout ça, ça avance bien. Je vais chercher la Stargate déjà, ça pourrait aussi aider. Si je veux construire une Stargate, ça veut dire que j'apprenne. Alors je prends tout ça, ça, ça. Voilà. Je passe par-dessus, c'est.
Ça paraît grand chose d'avoir des couloirs si je passe par-dessus. Donc ça va être une petite salle juste pour la Stargate. Alors je vais commencer à la placer. Ça se construit comme c'est une Stargate, pour ceux qui ne savaient pas. Je vais bien le montrer. Ouais, ça va être chiant un peu la gravité. Hein. Bon, moi quand je vole, je peux rester stable en l'air avec la jetpack. Non, j'en ai mis deux, mais... ça saute super gros. Et voilà, là c'est un gate. Alors, je vais tout de suite noter l'adresse. Fait qu'ici... I-A-A-N-A. Ça ressemble pas à un A, mais c'est pas grave. Ce que j'ai écrit, je parle. Alors ça, je le mets tout. Parce que je veux pas le mettre sur les côtés ici, il faut le mettre en face. Enfin, je vais le mettre soit là. Je vais m'essayer. Alors, on va continuer un peu à refermer ça. Ah, peut-être que je vais l'embrasser pour isoler tout. Bon, quand même pas sûr. Hein, mais... Bon, j'aurais pas d'en avoir assez. Alors j'en crafte vraiment beaucoup de ces blocs là, j'ai failli tomber. Heureusement que j'ai un jetpack. Alors, on continue à repoucher tout. Je crois que je vais automatiser le craft de ces blocs. Dire d'en garder tout le temps je sais pas moi beaucoup dans le tri. Moi j'en ai déjà plus. Mais je m'étais dit aussi que j'allais mettre de la vitre sur le toit. Alors où est-ce que je mets ça? Je mets ça ici. Est-ce que je pourrais arrêter de me sauter par sauter 10 mètres de haut à chaque fois? Ça va être chiant un peu. Mais quand tout va être refermé, j'arrive à le dire, ça va être moins chiant parce qu'il va y avoir le plafond dessus. Puis aussi je vais m'habituer à sauter à cette hauteur. Allez, on rentre. Je suis même pas sûr que j'ai besoin du ouvert en fait. Je sens-tu plus avec l'ouvert ou sans l'ouvert? Bon, je crois que c'est pas mal pareil. Il va falloir que j'aille crafter tous ces blocs là et je reviens après. Bon, j'ai fait quelques types décoratifs blocs. J'en ai fait deux stacks, j'ai raté un stack en plus. J'ai fait l'autre type de type décoratif bloc à place. J'ai gaspillé un stack d'étain là-dedans. Puis en plus je pense que j'ai trouvé un truc pour pas sauter à l'infini de haut. Ah non, ça marchait tantôt. Non mais ça marche pas. Alors, ce que je vais faire, je pense que je vais agrandir un peu déjà cette pièce. Je sais pas dans quel sens, mais je vais l'agrandir. Ouais. Je pense que je vais déjà boucher ici, puis je vais agrandir dans l'autre sens. Fait que je vais agrandir un peu par ici, pour pouvoir mettre quelques petits trucs. Oui, c'est bien ça. Ok, c'est correct. Je fais une pièce un peu plus grande que ce qui est généré au début. Alors on coupe tous ces murs là.
C'est parfait ça. On va pouvoir faire une grande base spatiale ici. Il y a un bloc ici qui traîne. Bon. Je vais avancer un peu la construction, puis je vais vous reprendre pour déplacer des systèmes importants ou faire un truc important, on va dire. Je vais reprendre faire un truc important, ouais, ça c'est mieux à dire. Alors ça, à tantôt. Petite séquence juste pour dire quelques petits trucs. Je viens de réaliser un peu les avantages de cette dimension. C'est qu'on va pouvoir vraiment exagérer sur les machines et tout. Parce que quand je filme pas, parce que mon frère me bloque mes FPS à 50. Mais quand je filme pas, je suis à 1000 FPS. Alors pas de problème, on peut faire n'importe quoi dans ce monde-là puis ça laguera pas. C'est vraiment énorme. Fait que j'ai déjà plus de team décoratif bloc, mais je vais arrêter la salle ici puis je vais faire une autre section plus loin. J'ai commencé déjà à placer quelques machines. Juste un compresseur, un collecteur, puis la batterie. Parce que j'ai un... Non, je dis pas celle-là. Je vais prendre celle-là parce qu'il y a de l'énergie dedans. Puis quelques câbles. Alors, j'ai mon marteau aussi, mon crochet de la mer. Est-ce que là je vais mettre la batterie? Où est-ce que je mets la batterie? Ça, je crois que je vais pas le mettre là. C'est, je vais faire un truc un peu plus en hauteur. Je mets les machines ici. Non, disons que je mets la batterie comme ça. Alors, je sors sur les côtés. Ah, mais je peux pas faire ça. C'est comme ça. Fait qu'il faut que je sorte. Non, j'ai dit. Non, non. Faut que je sorte dessus. Puis comme ça. Donc, il y a d'énergie. Puis je vais le retourner, il va d'énergie. Je vais chercher quelques oxygène pipe. Alors je fais ça de même, ça, 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 ça. Non, c'est tout que j'ai calé. Ah. Ok, rien qui tombe dans le vide. Ils sont où? Ok, phew. J'ai cru une seconde que t'es tombé dans le vide. Alors ça, je mets ça là. Ça. Puis ça ici. Fait que j'écale tout de 1 en gros. Pour pouvoir passer les... ça c'est correct. Ça, normalement, faut que je le retourne. Ça c'est correct. Avec les tuyaux d'oxygène. Comme ça devrait marcher, sauf qu'il se prend des blocs de feuilles. Alors, je vais en prendre quelques-uns. Et deux stacks, ça doit être assez pour commencer. Et je vais en poser quelques-uns autour comme ça. Avec cette torche-là, je vais pas la placer ici, je vais la placer ailleurs. Tiens, est-ce que... Non. Toujours pas assez. Ah, ça marche. Donc j'ai pas besoin d'avoir une super grosse production d'oxygène, mais juste pour pouvoir remplir de temps en temps mes bouteilles. Tiens, là, je peux remplir ma bouteille dans l'espace. Alors je dépose ça. Fait que j'ai de l'oxygène, mais pas de distributeur pour mettre l'oxygène dans l'endroit. Mais au moins, j'en ai. C'est déjà un bon début. Alors, je vais aller... Je vais faire d'autres blocs comme ça, là. Puis je vous retrouve pour l'autre partie du vaisseau. Bon, j'ai fait une nouvelle pièce. Alors, dans cette pièce-là, j'aimerais ça mettre la première génération d'énergie. Oui, puis aussi j'ai fait, je pense que je l'avais pas fait durant la dernière séquence, cet endroit-là, là, où est-ce qu'on pourrait mettre d'autres salles ici pour mettre plus de pièces que juste une ici. C'est juste une division, genre, une intersection, si vous préférez. J'ai mis la place pour une autre porte ici, mais j'ai bouché parce que ça se fera pas tout de suite. Avec le réacteur, je pensais le mettre dans ce coin-là, puis les panneaux solaires au-dessus. C'est ce que je pensais faire.
Alors, je vais aller chercher ça. Je vais peut-être prendre ceux de l'aquarie pour l'instant. Alors, on avait dit quoi? Mais je vais la prendre par cœur, bien sûr. Elle avait du bruit, ça. Je sais pas, il y a aussi une sorte de bug avec cette batterie-là. La batterie se vide plus maintenant. Donc, juste pour essayer de cheater, je vais la placer. Puis... Ah, elle se vide plus. Je sais pas pourquoi, mais elle se vide plus. Bon. C'est la nuit, je vais dormir. Et voilà. Bon. Je crois que ce que je vais aller faire, je vais aller à l'aquarie, je vais emprunter un panneau solaire. Puis on va commencer avec ça. Parce que je sais que les panneaux solaires de Galactic 4, ils sont trois fois plus efficaces dans l'espace que sur Terre. C'est quand même bien fait pour ça. Donc là, j'ai réduit la force de l'aquarie parce que sinon le recyclage, j'arrivais pas à suivre, il y avait trop de granit. Puis ça se recyclait pas assez vite. J'ai ralenti Quarry, je vais la faire accélérer plus tard. Fait que là on voit que c'est vraiment lent. Allez. C'est ça qu'on appelle une Quarry qui est très lente. Non, ça je suis plus sûr que c'est par là, c'est vrai. Bon, un panneau solaire pour commencer, ça va être bien. Alors je vais prendre quelques câbles aussi. Ici des heavy cables. Alors on retourne dans l'espace. Je vais avoir une table de craft ici. Ouais, on change de dimension beaucoup. Je vais prendre une table de craft. C'est sûr que ça pourrait être utile d'en avoir une dans l'espace. C'est quand même un peu la base. On n'a pas. Il y en avait ici. Bon, allez, on va dans l'espace, on place ça. Puis ce que je veux faire, comme j'ai dit, je place les panneaux solaires sur le dessus. Alors ce que je vais faire, c'est un bloc qui permet de pressuriser la base. Je pense que c'est comme ça que ça se craft. Eh oui, c'est bien. Parfait. Alors, je vais... je vais déjà monter au-dessus. Puis je vais attraper le bloc. Je vais aller chercher un peu d'oxygène parce que je veux pas crever non plus. J'en ai juste une sur deux, puis c'est moyen. Tiens, comme ça. Alors, où est-ce que je vais le placer? Le panneau solaire, mettons que je le place. Ici. J'ai un environnemental boost à 100%, fait que je produis quand même pas mal d'énergie. Bon, là pour l'instant c'est le double, mais c'est supposé être le triple. D'après ce que j'avais entendu. Alors je vais rentrer. Là j'ai l'entrée de câble ici. Ouch! Pourquoi j'ai pris des dégâts? C'est à cause des sortes de dégâts de suffocation buggés, c'est n'importe quoi. Ah, encore ces blocs invisibles, ça m'énerve. La batterie ici, je prends ça. Je vais arrêter à Stargate pour pas dépenser trop de Nequada. Et je vais placer ça ici. Ça va commencer à se charger de ce côté-là. Et oui, ça charge, parfait. J'ai un peu d'énergie. C'est parfait. Là, je l'ai mis ma batterie. Batterie.
Je l'ai mis ici, oui, c'est ça. Juste regarder c'est quoi, c'est... Ok, c'est des méga gels. Des méga gels. Je laisse ici, comme ça j'ai mis le fuel loader pour pouvoir mettre l'essence dans la fusée. Alors, donc là maintenant que j'ai un peu de... déjà d'énergie là, ici. Quand je dis un peu, c'est vraiment un peu, là, mais je peux faire une sortie comme ça, puis faire des câbles qui vont un peu partout dans la base. Alors, je peux te faire un peu de système ici de mon côté, puis je reviens après. Bon, depuis la dernière séquence, j'ai quand même pas mal avancé. J'ai fait une nouvelle pièce et j'ai déplacé les machines thermales dedans. C'est pas une chose que j'ai faite. Et là, j'ai amené les machines IC2. Ben, puis YTech surtout. Surtout YTech. Ouais, je sais pas pourquoi je dis IC2. IC2 quand il n'y a même pas une machine IC2, mais... Mais c'est pas grave. Alors je vais aller placer ça, je dis, mais il faut peut-être que j'amène quoi de les trucs qu'il faut que je place. Non, ça je vais garder ça. Ça. Ok. C'est correct. Allez, on amène ça tout en bas. Ok, je vais poser ça ici. Je vais essayer de me placer quelque part. Après, ça va aller mieux comme ça. Allez, bon, on met le RF consumer. J'espère que c'est un bloc qui isole bien. Et ensuite, on va le placer le LV producteur. Fait que là, je vais avoir une source d'énergie. Alors, ici... comme ça, et j'avais dit qu'au dessus je mettais un bloc spécial, mais je peux dire qu'il l'a atteint. Je vais essayer pareil. Et on va essayer de faire un bloc comme tantôt là, pour les panneaux solaires. Il l'a pas. Il l'a pour quel câble d'abord, les en or, les HV, les A. C'est comme pas à jour, fait que... Ah ouais. Lesquels que j'utilise. Ça va être un peu compliqué finalement. Je vais essayer avec le tuyau en cuivre. Ça ne marche pas non plus. Bord, j'ai peut-être une autre idée. Ici? Non, c'est plus ici. On va mettre la bad box. Ici. Alors, on va placer les câbles comme ça. Ça, je vais enlever la torche. Oh, je vais pas le mettre jusqu'au plafond, pareil. Et vous mettez les machines ici. Alors, je vais avoir de la place pour mettre les machines. Ça, c'est le fun. Tiens, tout ça. Alors, je commence par la plate bending machine. Le wire met au milieu, l'assembling en bas, j'essaie de les replacer à peu près pareil comme il était. Là, il y avait l'extracteur ici, la plate cutting je l'avais mis ici, avec le compresseur je l'ai mis ici, le late, pourquoi j'ai passé la torche si proche que ça, je sais pas, et le late ici. Alors, ça c'est parfait. Alors, qu'est-ce que je vais faire après? Une autre coupure pour ramener des machines. Et ça, je vais le placer aussi. Fait que j'ai placé quelques machines encore, puis je reviens après. Bon, j'ai déplacé Applied. C'est ça que j'ai décidé de faire. Pas tout, mais juste les ressources, puis
Ça, j'en ai pas besoin, ça. Je sais pas ce que ça faisait là. J'ai déplacé la plate, puis c'est pas mal ça. J'ai plein d'autres bordels ici, que je pourrais placer aussi. Justement, ces deux trucs-là, je pense que je vais en mettre derrière. Peut-être pas, peut-être que je vais les déplacer plus tard, mais pour l'instant, je vais les mettre là. Puis ça, je vais le mettre, non. Ici. Fait que là, je consomme quand même 3,7 MJ, puis je sais pas comment je produis exactement. Je sais que mais la batterie, là, ça monte, c'est correct, mais ça arrive que c'est un peu juste. Donc, je pense que ça va être un peu juste. Quand j'ai commencé à étendre les triplates, ça va être un peu juste. Fait que je vais placer les réacteurs, mais je l'allumerai pas. Parce que là, pour l'instant, on est correct en énergie. Je vais le placer, c'est juste quasiment juste pour faire de la place. Donc ici ça prend le réacteur contrôleur. Mais ouais, ça va être chiant un peu comme. Comment je vais faire pour aller en haut, changer le. Je vais faire ça à 50. Alors que je brise un bloc. Bon, je sais pas. Ah, plus de pioche. Cooper, le temps de régler le problème. Il n'y avait pas de problème, c'est juste moi qui ai planté. Je sais pas du tout pourquoi. Minecraft, c'est juste... j'ai même pas planté, c'est juste déconnecté du serveur. Alors, je vais mettre le contrôleur ici. Le power type ici. L'accès, puis l'output que je mets ici. Sont les rods. Je pense que j'ai laissé là-bas. Ici. Parfait, je vais mettre ça. Non. Merde. Ah, je l'ai eu. Tiens. On va les vitres. Et là, si j'ai rien oublié, ça devrait se faire correctement. Et c'est correct. Alors... Comme là, il va pas marcher, mais... je crois pas qu'il y a de boost de l'espace pour ça. Non, ça m'étonnerait. Je vais mettre de l'uranium dedans. Comme ça, il est prêt à partir. Mais il produit... Là, il peut pas produire... Oui, il peut produire des trucs, là, mais... C'est pas ça que je voulais dire. C'est pas ça vraiment que je voulais dire. Avec ça, c'est correct, c'est rempli. Je vais prendre la batterie là, je vais la remettre ici pour recharger l'oxygène. Puis ben, je pense que ça va être tout pour cet épisode. D'ici le prochain épisode, je vais continuer à déménager des trucs. Cette pièce là, je disais que c'était pour l'énergie. Fait que ça va être le réacteur. Ici, je voulais mettre une grosse turbine. Ouais. Je vais la mettre ici. Ou ici. Puis j'en mets une deuxième à côté. Je sais pas exactement encore comment je vais organiser l'espace. Mais ici, ça va, je vais sûrement avoir d'autres machines. Ou je vais combler avec un bloc le reste. Ici, c'est vrai, je peux en mettre ici, mettre mes câbles. Je vais placer les dernières machines juste en finir. Parce qu'il y en a d'autres. Celle-là... Encore! Bon, ça l'a encore planté, mais cette fois-ci, c'est mon jeu qui est craché. Donc là, je vais essayer de le placer là. Puis... Là, ça a marché. Ça... Ça n'aime pas beaucoup ça, hein. Alors, j'en ai-tu d'autres? Oui, j'ai la centrifuge. Non, je ne place pas dans ce sens-là. Ah, j'ai plus de pioche. Je vais pouvoir tester toutes mes machines, voir si tout fonctionne correctement. Parce que je vais me faire une pioche. Alors, je peux essayer la plaie de bending. Ouais, ça marche. Alors, la pioche. Et puis, on va finir l'épisode sur cette pioche.
sont les sticks, les 50 sticks qu'on a. Moi, je suis bon, je savais qu'on avait 5. J'ai dit 50 comme ça, mais je savais pas qu'on avait 50. Alors, le marteau. Puis l'autre truc là. C'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Mais on casse une pioche. Oh, tant pis, je ferai pas parce que je retrouve pas l'outil que ça prend. C'est vraiment bizarre. Il reste une machine ici que je vais pas placer. Et voilà. Alors, ça va être tout pour cet épisode. Comme j'ai dit, d'ici le prochain épisode, je vais finir le transfert des trucs. Il va sûrement avoir une autre section qui va avoir poussé par ici. Peut-être d'autres là-bas. Je sais pas encore où que je vais mettre les trucs. Mais ça va grandir d'ici le premier épisode. Et alors je vous dis, ben, je vais vous dire à la prochaine pour le prochain épisode. Alors, salut et bye!